joie à toi, béni de Dieu. Shalom, shalom. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier avec l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 9, des versets 9 à 13. Dans ce passage, nous assistons à l'appel de Matthieu, Matthieu le publicain. Le Seigneur Jésus l'a trouvé là où il était assis, en train de collecter les impôts. Il l'a appelé. Il lui a dit, « Viens et suis-moi. » Matthieu l'a suivi. « Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je prie de tout mon cœur que tu vives cet appel, que le Seigneur t'appelle et que toi, à ton niveau, tu sois sensible à sa voix et que tu le suives. Que le Seigneur te dise aujourd'hui, viens et suis-moi. Et que tu prennes ton courage à deux mains pour le suivre. Car je sais que suivre Jésus, ce n'est pas facile, certes, mais le Seigneur Jésus nous garantit toujours sa présence dans nos vies, sa présence à nos côtés. Alors mon frère, ma sœur, si tu avais peur de suivre Jésus, car tu calcules ce qui arrivera, alors arrête de réfléchir, arrête de calculer. Marche à sa suite, suis-le et tu verras les merveilles qu'il fera dans ta vie. Il te demande juste de le suivre, il te demande juste de faire ce qu'il te dit. Et le reste, il s'en chargera. Alors, avec moi, dis-lui que tu veux le suivre. Dis-lui que tu veux fermement le suivre et le servir. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix de Jésus, toi qui as appelé Matthieu, toi qui l'as sorti de là où il était, pour faire de lui un pêcheur d'hommes. Oui, Seigneur, appelle chacun de nous aujourd'hui à audible voix, à te suivre. Seigneur, nous voulons te suivre et te servir. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Sans reculer, sans calcul, sans peur, sans crainte. Car avec toi, la victoire est assurée. Avec toi, ta gloire se manifeste toujours, afin que d'autres âmes te soient gagnées, Seigneur. Nous voulons te suivre et ne faire que ta volonté. La croix devant moi, le monde derrière moi, la croix. Devant moi, le monde derrière moi.
cet appel que tu lances à chacun de nous. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons notre âme, nous ouvrons notre esprit pour entendre ce que tu nous dis, Seigneur, et marcher avec toi. Chaque jour de notre vie, toi qui es vivant pour les siècles des siècles, amen. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.